Salut les potos, ici le Filou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va regarder ensemble une vidéo mélangeant malaisance et what the fuckery, sortie tout droit du procès de Johnny Depp. Pour ceux qui ne suivent pas, pour faire simple, il faut juste savoir que Johnny Depp est en procès avec son ex-femme Amber Heard, que les deux déclarent avoir été victimes de violences, et que Depp réclame 50 millions de dollars parce que Disney a mis fin à son contrat à cause de cette affaire. Sa femme, elle, réclame 100 millions de dollars parce que je sais pas en fait. Enfin si, elle accuse Depp d'avoir incité les gens à voter une pétition pour qu'elle ne joue pas dans le prochain Aquaman. Une pétition qui est carrément rentrée dans le top 10 des pétitions les plus signées de tous les temps sur Internet. Quand même. Bon, moi, je me poserai des questions quand même. Le procès film indirect a été à la hauteur au niveau rebondissement, notamment qu'on apprend qu'Amber Heard aurait chié sur le lit conjugal. Ouais. Elle se défend en disant qu'il ne s'agit de ses chiens, et on a forcément du mal à y croire quand on compare la taille de l'étron et la rondelle des canidés. Alors qu'on touche à la fin de ce procès, un psychiatre du nom de Spiegel se ramène à la barre pour enfoncer Johnny Depp, enfin, ou plutôt essayer d'enfoncer Johnny Depp. Il tente de prouver que Depp prend fréquemment des drogues, qu'il frappe sa femme et qu'il a des troubles psychotiques. Tout ça parce qu'il a une oreillette dans le film de Pirates des Caraïbes. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais à peine. Le psychiatre, n'ayant pas pu avoir d'entretien avec Depp, l'a évalué en regardant ses films et ses publicités. Alors au niveau cocasserie, on est déjà pas mal, mais lorsque le docteur tente de répondre à l'avocat de Depp, qui lui demande s'il s'est aussi servi du film Charlie et la chocolaterie, le what the fuck monte à un level presque insupportable. Regardez. What do you use as a baseline? I mean, I guess my baseline would probably be how I've seen him interact in public. How I've seen him interact with others. I've seen him interact in media. I've seen him interact all, and his process speed is certainly not slow. I've seen him do commercials. His process speed was not slow. What, right. But Willy Wonka doesn't matter to you? You see him in that movie, Charlie and Chocolate Factory? Did you look at that one when you were comparing his processing speed? Do I have to answer that question, Your Honor? You have to answer questions, yes, sir. No, you'll be happy to know I didn't see Willy Wonka, I didn't see 21 Jump Street when it happened, or whatever it was about. No, I did not.